Du quotidien, l'équipe ce matin, la guerre des riches, 12 clubs européens, 12 gros clubs européens ont décidé de fonder la Super League pour contrer la Ligue des Champions. Rendez-vous compte, aujourd'hui même, l'UEFA va présenter sa nouvelle formule de la Ligue des Champions. Eh bien, quelques heures auparavant, 12 gros clubs, 12 frondeurs ont décidé de s'unir pour faire un contrepoids à la Ligue des Champions. Ces 12 clubs sont menés par le président Florentino Pérez du Real Madrid avec le président Agnelli de la Juve. Mais attention, d'autres gros ne sont pas sûrs d'y aller. Je pense notamment au Paris Saint-Germain ou encore au Bayern Munich. Je vous propose d'ouvrir la presse internationale, bien évidemment, pour y voir un peu plus clair. Voici tout d'abord les 12 frondeurs. On va les appeler comme ça, c'est un mot fort qui est revenu à la une de la presse européenne. 6 clubs anglais, Liverpool, les deux clubs de Manchester, United City, Chelsea, Tottenham ou Arsenal. 3 clubs espagnols, Real Madrid, Barça, Atlético et 3 clubs italiens, la Juve, Milan et l'Inter Milan. On va commencer par la presse anglaise. Je voulais vous montrer parce que vous savez que les Anglais ont cette particularité. La première page et la quatrième de couverture, la page sport. Regardez la couverture ce week-end. C'était les obsèques du prince Philippe qui a laissé la reine Elisabeth seule. Mais vous ne serez jamais seul. C'était le message à la une du Daily Mirror, à la une du Sun. Également, bien évidemment, avec les deux princes, les deux petits-fils, William et Harry, qui étaient rentrés exceptionnellement, bien entendu, pour saluer la mémoire de son grand-père. Voici donc la une anglaise. Mais regardez, à la une, le football était là. Le football est ici avec cette disgrâce et ici également en manchette. Ce que je vous propose, c'est de retourner ces deux journaux pour aller chercher la quatrième de couverture, Mirror et Sun, et regardez ce qui s'est passé. Nous allons vous bannir. Nous allons vous bannir car l'ensemble du football anglais est contre l'avis justement du Big Six. Ces 6 clubs qui ont décidé de mener cette Super League. Et regardez, on parle d'actes criminels en leader d'opinion. Un homme, Gary Neville, l'ancien joueur de Manchester United, qui est actuellement l'un de nos confrères, un consultant sur la Sky hier. Coup de colère véritable de Gary Neville qui parle donc d'actes criminels à l'encontre notamment des fans. Regardez également d'autres, une anglaise avec ce terme de war, c'est la guerre les amis. Il est là, Gary Neville également, le football est en guerre, c'est vraiment à la une de toute la presse. On parle de guerre civile, regardez, le Big Six contre les autres, c'est aussi simple que cela à la une de Métro également. Regardez, la une également du Financial Times, le très prestigieux Financial Times, qui parle de l'économie, bien entendu, mondiale. Eh bien, on parle de ce séisme qui va bouleverser la bulle économique du football européen et mondial. Dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, ou encore du quotidien L'Équipe, on vous explique ces différentes formules. La formule actuelle de la Ligue des Champions, la formule nouvelle que devrait présenter aujourd'hui, le comité exécutif de l'UEFA. Et voici donc le projet de Super League. 3 formules qui vous sont d'ailleurs analysées assez justement ici par Pierre Rondeau. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Pierre Rondeau, économiste du sport, que je vous conseille de suivre également sur Twitter, l'ensemble des réseaux sociaux que l'on peut retrouver notamment chez nos confrères de l'équipe. Vous pouvez aller le jeter un coup d'œil sur son analyse. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, c'est un véritable donc bras de fer. C'est un séisme. Regardez, ça c'est dans les colonnes de l'équipe. Voilà le schéma que je vous ai grossi auparavant. Et le très bon édito de Vincent Duluc avec un titre très fort, les traîtres, rendez-vous compte de ce mot choisi par notre confrère dans les pages italiennes. Regardez les clubs en mode super, les 12 qui sont ici et ici ceux qui sont contre également. Et on nous précise bien là que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s'associent à l'UEFA et la FIFA, donc contre ces 12-là. Rendez-vous compte qu'est-ce qui pourrait se passer, une Super League européenne sans Paris et sans le Bayern Munich. Je vous laisse imaginer la suite des opérations. Toujours dans le Parisien aujourd'hui en France et dans l'équipe. Les frondeurs seront exclus. Vous voyez de nouveau ce terme de frondeur. L'UEFA a été clair. L'UEFA et les principaux pays concernés ont promis d'éjecter de leur compétition tous les clubs qui se lanceraient dans cet éventuel projet de Super League. Le président Pérez et le président Agnelli qui seraient son vice-président. C'est le président Pérez qui mènerait la présidence de cette Super League. On nous rappelle qu'il y a un précédent déjà dans le sport, c'est en basket, c'est l'Euroleague de basket qui avait utilisé ce même type de formule en 2016. Voilà un projet au contour semblable. On nous l'explique dans les colonnes de l'équipe encore ce matin. Du coup, je vous l'ai dit, pour l'instant, le Paris Saint-Germain,
on va dire hésite, entre guillemets, PSG face à un dilemme. Le club parisien ne fait pas partie des 12 clubs fondateurs de ce projet Super League dont l'éventuel lancement ne serait pas sans conséquences pour lui, évidemment. Où se situerait le Paris Saint-Germain et comment générer une économie pour continuer la construction sportive de ce PSG? C'est une grosse interrogation également dans les colonnes de l'équipe à lire aujourd'hui. Je vous conseille donc, les amis, d'échanger via les différents réseaux sociaux, d'aller vous interroger, douter, vous questionner pour aller prendre différentes sources pour voir comment ça va se passer. En tout cas, aujourd'hui, il y aura beaucoup, beaucoup d'informations avec notamment le comité exécutif de l'UEFA qui va donc présenter sa formule. Et demain, dans l'édition de demain sur YouTube, on en parlera beaucoup plus largement. Si on revient aux sportifs, parce que là, c'est important également pour nous. Le Paris Saint-Germain, on est à quelques jours maintenant de la Ligue des Champions et l'affrontement face à Manchester City. Ça a été un match de fou furieux. Pour Paris, c'était face à Saint-Etienne, 3-2 dans les ultimes minutes. Tout s'est joué dans le dernier quart d'heure avec un super Kylian Mbappé, leader de la révolte. Regardez ici, un leadership assumé, un jeu plus adapté aux circonstances, une efficacité retrouvée. C'est un super Kylian pour mener la victoire du Paris Saint-Germain. Voici quel était le plan de Pochettino pour ce match face au Stéphanois. Rico, Kimpembe, Kerrer, Florenzi, Becker, Herrera, Danilo, Rafinha, Moïse Kean et Sarabia. Gardons ça en tête par rapport aux projections qu'on va avoir pour la Ligue des Champions, bien entendu, et ce match attendu. Notez la performance de Kylian Mbappé, regardez dans les colonnes de l'équipe également. Il est maintenant sur le podium, top 5 des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain en championnat, mené toujours par Edinson Cavani, 138 buts, 113 pour Zlatan Ibrahimovic, 87 déjà pour Kylian Mbappé, devant Moustapha Daleb et Dominique Rocheteau. C'est un grand, c'est un très grand Kylian Mbappé pour mener ce Paris Saint-Germain. Regardez dans ce vestiaire avec Neymar qui était venu bien entendu rendre visite à ses copains Di Maria ou encore Verratti. C'est chaud, c'est ultra chaud. On n'a jamais vu ça à ce stade de la compétition depuis que le championnat de France est à 3 points. Lille devant, 1 point d'avance sur Paris, Monaco et Lyon. C'est 4 équipes dans un mouchoir de poche, vous le voyez, pour se disputer le titre de champion de France. On se projette sur la Ligue des Champions. Paris face à City. Je vous montre cette presse qui était la presse de ce week-end. C'était les demi-finales de FA Cup et Chelsea face à City. Deux demi-finalistes de la Ligue des Champions qui se retrouvaient en demi-finale de FA Cup. Eh bien, c'est Chelsea qui s'est imposé, les amis. Pas de quadruplé, pas de quad pour Manchester City. FA Cup, League Cup, le championnat et la Ligue des Champions. C'est ce que visait Pep Guardiola. City squad, dream is over. Le rêve de ce quadruplé est terminé avec Ziyech qui marque l'unique but de cette rencontre servie par Timo Werner. Victoire de Chelsea 1-0. Donc City tombé. Attention, c'est peut-être un bon signe ça pour le Paris Saint-Germain. Comment a joué justement Pep Guardiola? Là, on est dans ce sens-là du jeu. Regardez, Mendy, Laporte, Ruben Dias, les deux centraux qui étaient avertis devant Stéphane qui était le gardien pour ce match. Cancelo à droite, Fernandinho, Rodri, Sterling à gauche, Ferran Torres qui a été remplacé à la 64e par Gundogan. De Bruyne, sorti blessé, attention à la 48e, remplacé par Foden et Gabriel Jesus devant. Voilà quel était le plan donc de City. On a en tête le match face à Paris, on en discutera toute cette semaine. Allons également sur Chelsea. Chelsea qui retrouvera le Real Madrid. Comment a joué l'ami Thomas Tuchel? Là, on descend dans le sens du but avec Kepa, défense à 3, Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, attention blessé, sorti touché à la 88e, remplacé par Kurt Zouma, Kanté, Jorginho, ici avec James et Chilwell remplacé par Emerson et devant Ziyech ici qui a été remplacé, Mount sur le flanc plutôt droit et Timo Werner à la pointe de cette attaque. Pardon, c'est Ziyech qui a été remplacé par Emerson et non Chilwell. Voici quel était donc le plan de bataille de Chelsea. Et là, on va se projeter aussi pour le match face au Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real qui, de son côté, a peut-être perdu un peu de terrain pour le titre de champion par rapport à l'Atlético. C'était une bataille sur la pelouse du voisin madrilène Getafe. Match nul, 0-0. Mais Zizou jouait avec son plan C, les amis. L'infirmerie était pleine à craquer. 3 titulaires seulement dans le 11 de départ de Zinedine Zidane. Ça, c'est la seule grosse occasion pour les madrilènes avec ce coup de boule signé Mariano. Voici quel était le plan de bataille de Zizou. Principalement, vous les connaissez, les visages plutôt de l'équipe plan B. Mais là, on est parti au plan C. Vous le connaissez, lui? Est-ce que vous le connaissez, lui? Eh bien, lui, c'est un jeune de la Fabrica. Le centre de formation du Real Madrid, c'est Chust qui était en charnière centrale. Il est là, Chus, numéro 32, associé à Militao. Voici le plan
talent de Zinedine Zidane, Courtois, Odriozola, Militao, Chus, Marcelo, c'était la défense, Modric, Isco, Rodrigo, Vinicius, Mariano et Asensio. Benzema est entré en cours de jeu à la 64e pour le préserver pour le match de Ligue des Champions. Bien entendu, 0-0. Madrid n'a pas jeté la Liga, mais attention, parce que le calendrier est là et l'Atlético s'échappe. Voici le calendrier des quatre possibles dans la bataille pour ce titre de champion. Atlético, Real, Barcelone et Séville qui s'est imposé. Voici le calendrier du Real Madrid. Le match peut-être le plus fort en affrontement direct sur ces quatre, c'est face à Séville ici. Alors que dans le même temps, l'Atlético affrontera notamment Barcelone. Ici, match ultra capital, vous le voyez pour le Barça, le Barça qui a un match en moins, car fort de son match en coupe, il faudra jouer face à Grenade. Attention au Real Madrid, le voici ce classement, regardez l'Atlético 70, Real 67, Barça un match en moins, 65 et Séville. Les quatre là peuvent jouer ce titre de champion d'Espagne. Le 11 type de cette semaine, je voulais relayer, regardez Courtois qui a sauvé les meubles avec le Real Madrid, le très bon travail une nouvelle fois, bravo à Jules Koundé le français, et je voulais vous avancer la position de deux joueurs de l'Atlético, Llorente ici et Correa du côté de la formation del Cholo Simeone, parce que là ils ont réussi un véritable coup de poing, victoire 5-0 face à Eibar sans Luis Suarez et sans João Félix. Les attaquants n'étaient pas là. Il y a eu un choix fort fait pour Llorente et pour Correa. Et ça a fonctionné, les amis. L'Atlético Madrid qui ouvre une brèche, un hueco. L'Atlético qui étire un petit peu, qui laisse un poids à la distance. Le Real et le FC Barcelone, grâce notamment à Correa qui fait battre le cœur de l'Atlético Madrid. L'Atlético s'accroche à ce titre. Voici l'équipe qui était là. Et donc, regardez, comme je vous le disais, Llorente et Correa qui ont eu le maximum 3 étoiles sur 3. Les deux hommes qui ont réussi le coup de Trafalgar là, et de laisser tranquillement l'esprit à El Cholo Simeone en attendant, bien évidemment, de voir le Barça éventuellement revenir. Le Barça a donc un match en retard. Pourquoi ? Parce qu'on a disputé la finale de Coupe. Remporté face à l'Athletic Bilbao, pardon, victoire 4-0. Ça, c'était la presse de ce week-end pour vous marquer cet engouement avec de nouveau un super Messi. Ils ont pris la revanche sur la Super Coupe d'Espagne. Et ça, c'est aujourd'hui dans les colonnes de Sport. Vous le voyez avec le grand vainqueur, c'est Ronald Koeman qui est ici aux côtés de Raphaël Yeste, vice-président en charge du sportif. Et bien évidemment, le président Laporta pour son nouveau premier trophée, lui qui était déjà à la tête du FC Barcelone il y a quelques années. Il est le grand vainqueur, comme bien d'autres, notamment De Jong, qui a fait un super match, la meilleure note avec Messi, 10 sur 10 par nos quotidiens, par le quotidien de Sport, ou encore Antoine Griezmann, 30 buts avec le Barça, 10 ont servi à ouvrir la boîte. Voilà ce que nous disent nos confrères. Enfin décisif, Antoine Griezmann du côté du FC Barcelone, Messi bien entendu aussi 5 étoiles, 10 sur 10, la meilleure note, le club attend la suite, prolongation de contrat ou non, todo el club pendiente de Messi, tout le club attend la décision de Messi. Notez bien que nos confrères de la radio catalane, la RAC, RAC Uno, auraient une petite information comme quoi la famille Messi serait en train de chercher une maison du côté de Sitges. Sitges, c'est la banlieue de Barcelone. Messi, pour l'instant, vit du côté de Castelldefels, c'est toujours dans la banlieue de Barcelone, mais il chercherait une autre maison. Est-ce que c'est pour rester là? Est-ce que c'est juste un investissement financier? C'est une indication de nos confrères de la RAC. En attendant, 13 saisons consécutives avec au moins 30 buts marqués pour lui. C'est l'homme des records, c'est absolument incroyable. 135 doublés marqués par Lionel Messi. La seule interrogation qu'il y a, elle est pour Dembélé, les amis. Que va faire le Français? Va-t-il rester? Oui ou non? On nous dit que la prolongation de contrat est en train de se refroidir. C'est enfría. C'est le dossier Dembélé dans les prochains jours. En attendant, ça, c'était la presse donc de ce matin. Fort de cette réussite en coupe, on veut aller chercher la Liga. A por la Liga. Il ne faut pas s'arrêter là. No pares. Ne t'arrête pas et continue avec ce match en retard pour maintenant aller reprendre l'Atlético Madrid pour le FC Barcelone. Je vous emmène maintenant en Italie. Beaucoup de choses aujourd'hui, les amis. En Italie, avec bien évidemment, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, cette Super League européenne. Et puis le championnat avec l'Inter qui a conservé ses 9 points d'avance sur l'AC Milan. L'Atalanta et la Juve là. L'Inter avec un super Eriksen. Eriksi, le jeu de mots est là à la une de la Gazzetta dello Sport. Le match nul face au Napoli. Un but partout avec le but de l'égalisation pour Eriksen. Matoncino,
c'est une brique. La construction de la maison Scudetto, titre de l'Inter, se poursuit. J'adore ce titre. Du côté de la Gazzetta dello Sport, avec donc un très très bon Eriksen. Un Eriksen qui vaut de l'or dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Pour autant, il n'a pas la meilleure note. C'est Lukaku qui a la meilleure note avec un 7. On nous dit que comme d'habitude, même s'il n'a pas marqué, c'est lui qui est l'homme de l'équipe. Uomo squadra. Il était à la lune avec Koulibaly en défense centrale du Napoli. Il a pesé sur cette formation. C'est une nouvelle fois un très gros Lukaku. Milan est à distance, mais Milan a bien réussi son week-end avec une belle victoire face au Genoa. 2-1 avec la formation de Pioli qui était en mode ultra jeune. Regardez, Giovanni da Champion, c'est les jeunes de l'AC Milan qui permettent d'aller assurer ses places de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Très très belle réussite. Le meilleur joueur, Kjær, défenseur central, qui transmet de la sécurité à toute l'arrière-garde. Il est l'homme de cette défense, vous le savez, associé notamment avec Tomori. Voilà la réussite de l'AC Milan dans ce match. À distance, il y avait un œil sur Scamacca, l'attaquant du Genoa, qui est sur les tablettes de Milan pour la saison prochaine pour être associé éventuellement à Zlatan Ibrahimovic. Il a marqué un autogol sur ce coup de pied arrêté, mais qu'importe, vous le voyez, le feeling continue. Il a écopé d'un 6/10, c'est toujours la piste pour la saison prochaine. Celui pour qui ça va pas très bien, en revanche, les amis, c'est lui, Pirlo. Aïe, la Juventus qui a été battue par l'Atalanta 1-0. Regardez, Pirlo sans joie. Et si on enlève le A, on est là d'une autre couleur, c'est Allegri. Eh oui, parce que l'ancien coach, ça plane toujours en danger. Si Pirlo venait à sauter, eh bien Allegri pourrait revenir. Regardez, 5e défaite pour la Juve. La Champions est en risque et le technicien est sur un fil. Max Allegri n'est pas loin du tout. Les gros titres sont là du côté de la Juventus de Turin. Meilleur joueur côté Juve à noter quand même, Cuadrado, qui est le meilleur apport offensif finalement de cette Juve. Cristiano n'était pas là, je vous le rappelle, dans ce match. Pas de Cristiano Ronaldo côté Juventus de Turin. Voilà les amis, je voulais vous montrer ça aussi pour qu'on salue nos filles françaises qui sont en train de réaliser à chaque année de véritables performances sur la scène européenne. C'est la Ligue des champions des filles. Il y avait un choc de titans entre Paris et Lyon. Eh bien, Lyon est tombé, les amis. Les tenantes du titre sont tombées. L'Olympique lyonnais est tombé. Paris est passé. Et ce sera une demi-finale PSG-Barcelone. Dans le même temps, le Bayern Munich face à Chelsea. Il faut saluer la performance des Parisiennes. Touchées par la grâce. Le jeu de mots est ici par rapport à Grace Geyoro, la joueuse du Paris Saint-Germain qui a porté cette équipe. Les Lyonnaises sont tombées. La chute de la maison OL, dominée dans tous les secteurs, les championnes d'Europe, diminuées par la Covid, ont abandonné leur titre. Bravo à Paris qui se qualifie donc pour cette demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Petit match aujourd'hui avec les copains de Netbet. Je voulais vous glisser ça également si vous avez envie de parier. Et quel match? Bielsa face à Klopp, Leeds face à Liverpool, c'est de la première ligue. Je vais vous donner un coup d'œil là sur les cotes actuelles. Je vous rappelle qu'elles bougent à tout moment sur les différents portails de Netbet. À l'heure actuelle, notez bien, Leeds est à 4,60. Le match nul est à 4,30 et la victoire de Liverpool à l'heure actuelle est à 1,70. Ça bouge à tout moment, vous le savez. Et si vous n'avez jamais parié encore et que vous avez envie de parier pour la première fois, et si vous venez sur Netbet, n'oubliez pas les amis, il y a une seule possibilité, c'est ce code promo. Vous entrez le code promo Ruiz Club, je vous laisserai le petit link direct bien entendu sur les différentes surfaces. Et avec ce code promo, si c'est votre premier pari, 160€ offerts avec Netbet. Je vous rappelle, il faut être majeur, c'est interdit aux mineurs, tout ça. Bien entendu, on garde cette précaution, les amis, dans ces paris avec les copains de Netbet. Voilà pour cette revue de presse copieuse, complète aujourd'hui avec le titre fort, la création de cette Super League. On reste attentif aujourd'hui, on échange via les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club et on reste connecté. Et surtout, n'oubliez pas, profitez des vôtres.